Et hop, bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me recevez bien Je suis Franck Payen et je suis avec vous pour une petite heure. Pour cette session e-séminaire sur les techniques traditionnelles, dessin et brosse à l'intérieur de Photoshop CC. Donc, euh, d'abord un petit euh, petit test son. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Euh, ok, bonjour. Donc c'est que ça passe, hein. c'est que vous êtes bien en ligne. J'ai vérifié ici que j'ai pas de souci avec, par exemple, cette chose qui se, qui arriverait. Voilà. Ok, je vérifie. Ça marche. Donc j'ai du son, donc tout va bien. Donc je suppose que vous me voyez, je suppose que vous m'entendez. Et on va, pouvoir, euh, ben, on va pouvoir démarrer. Ouais, super. Alors, euh, tout d'abord, petite, euh, petite question intéressante. Euh, qui euh, qui êtes-vous Est-ce que vous êtes déjà illustrateur Est-ce que vous avez déjà fait de la couleur Est-ce que vous avez déjà travaillé sur du traditionnel ou uniquement du numérique? Euh, donc vous me dites couleur 0%, 100%, illustration 0%, 100%, numérique 0%, 100%, etc. etc. Comme ça ça me permet un petit peu de voir à qui je m'adresse aujourd'hui pour cette session. Pour rappel, les sessions sur lesquelles euh, à laquelle vous assistez, c'est une session qui va être une session live mais qui sera disponible bien entendu en replay et donc qui dit disponible en replay euh, dit que vous pourrez tout à fait y revenir euh, bah, par la suite euh, quand vous aurez peut-être euh, si vous avez plus de temps, euh, si vous avez des besoins spécifiques eh bien vous saurez revenir sur ce contenu. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous, ça va être justement la partie, eh bien, euh, la partie mise en place de brosse à l'intérieur de notre Photoshop. Les... Pourquoi je parle de mise en place de brosse Et eh bien, tout simplement parce que, euh, en général, quand on est un habitué du tradit depuis longtemps, on sait que Photoshop est parfait pour euh, ben, faire euh, le recadrage de votre image et la remettre en place. D'ailleurs, j'en profite pour vous passer un petit lien pendant que je suis ici. Hop. Check. Je sais pas si, je sais plus s'il passe celui-là. C'est le Creative Cloud pour la photographie qui va qui est un petit peu l'offre euh, d'accès j'irai à photoshop qui vous permet d'avoir photoshop plus lightroom plus euh, votre portfolio en ligne donc ça c'est quelque chose qui est intéressant alors illustration 20% numérique à 90 illustration numérique tradit, ok 50 50 illustration 30% donc on a pas mal de gens qui font un peu de couleur un peu d'illus ça c'est bien c'est euh, une bonne chose ça me permet de voilà de vous cibler un petit peu et de savoir ce que vous venez euh, ce que vous venez mettre en place Ok, euh, After Effects, Photoshop, AI, ouais, donc on a des motion designers, 100% couleur numérique. Alors Rachel Zimra qui est avec nous aujourd'hui dans le, dans le chat, que vous avez sans doute déjà vu parce qu'on a fait une session avec elle, un, un Ask Pro, où elle est venue nous présenter son travail de dessin, euh, bande dessinée et surtout jeux vidéo. Euh, vous Il faudrait que je retrouve le petit, le petit lien, vous verrez, c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc, euh, pourquoi est-ce que je fais cette session avec vous Tout d'abord, euh, vous savez que vous avez pour ce genre de, de, de cas des outils. Ici, j'ai mon stylet de tablette. Et ce stylet de tablette, en fait, ça va être un peu votre l'extension de votre bras. Et vous pourrez l'utiliser, vous pourrez en profiter pleinement euh, sans sans avoir de... Sans, sans avoir de limitation, de vraies limitations sur ce, sur ce contenu. J'ai un autre petit point que je vais aborder avec vous tout de suite pour en profiter. Euh, eh bien je vais vous partager mon écran déjà, on va faire ça, ce sera pas mal, hop comme ça vous verrez où je veux en venir, est-ce que euh, ici, donc dans tous les gens qui m'ont dit illustration un petit peu, bande dessinée un peu, couleur, numérique, etc., euh, qui a un profil Beyoncé, vous mettez Beyoncé 0%, vous n'en avez jamais entendu parler, et Beyoncé 100%, bien sûr, non seulement vous avez un profil, et en plus peut-être vous, euh, vous avez une galerie déjà, et peut-être même que vous avez été sélectionné, vous avez été ce qu'on appelle « featuré » dans une galerie. Alors faites-moi, euh, voilà, dites-moi vous en êtes sur biant pour ceux qui connaissent pas bien c'est un peu euh, allez je vais faire ça de manière très résumée très brutale c'est le facebook des illustrateurs ou des graphistes, ou des motion designers. C'est le Facebook des artistes. Pourquoi Eh bien, parce que sur Beyoncé, vous allez démarquer en vous disant, ben voilà, je souhaite aujourd'hui découvrir des choses à l'intérieur de Beyoncé. Et qu'est-ce que je vais découvrir Qu'est-ce qu'il y a à la mode Qu'est-ce qui se fait en ce moment Ça, c'est chouette. Euh, j'aimerais voir non pas toutes les disciplines, parce que je suis illustrateur. J'aimerais bien voir ce qui se fait en ce moment en illustration. Et puis, euh, je sais que moi, ce qui m'amuse, c'est plutôt du travail dans Photoshop. Et ben, on va regarder les tags avec Photoshop. Et j'aimerais voir aussi des trucs. Sur lesquels il bah, y a un peu de, de motifs. Et je retrouve et je peux filtrer comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Euh, Nerwan, ouais, Nerwan, on l'a déjà reçu dans nos événements. Des Beyond 0, 80%, 20%. Ouais. Ah oui, non, c'est toujours frustrant de ne pas être sélectionné sur les galeries, mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très bien. Et, euh, et pourquoi je vous parle de ces galeries parce que vous voyez ici je vois celles qui sont les plus appréciées dans le monde entier mais imaginez demain une agence de pub cherche à trouver un illustrateur français voilà France euh, qui habite euh, je sais pas en province on va le mettre à Marseille voilà j'applique et il va me rechercher tous les illustrateurs alors là j'ai pas de chance on va virer la ville voilà peut-être qu'il n'y a pas de il y a pas d'illustrateur euh... Voilà. Ici par contre je vais avoir que des illustrateurs français qui ont travaillé sur Photoshop et sur du motif. Et ça me permet justement bah, de voir un petit peu ce qui se fait, ça me permet de... ça me permet de, de prendre la température, et ça me permet évidemment de bosser avec eux, de les faire travailler, euh, éventuellement de commissionner des images, etc. pour différents boulots. Donc ceux qui étaient en dessous, je dirais, de 50% de Biance, euh, je vous le recommande plus que vivement. Hein. C'est quelque chose qui marche très très bien. Je vous disais tiens tout à l'heure. Euh, qu'on avait déjà accueilli euh, Rachel ici hop euh, Rachel qui a fait l'envers des comptes, et eh bien l'envers des comptes, justement, il a été très récemment euh, mis en avant dans une galerie. Hop, je clique dessus s'il si veut bien, voilà. Et il a été mis en avant sur la galerie Beyond, c'est sur la galerie Illustration. Résultat, il y a plein de gens qui viennent la voir, il y a plein de gens qui commentent parce qu'ils trouvent que c'est chouette. Moi aussi, je trouvais que c'était chouette avant, mais j'étais moins nombreux que tous ces, que ces 26 000 personnes qui sont passées regarder ce qui se faisait au niveau de son travail. Donc, euh, félicitations. Ça, c'est super et ça nous permet vraiment d'avancer en fait. Sur, les, euh, bah sur un portfolio et sur une diffusion de votre travail. Voilà, je, je m'étendais un petit peu sur la partie euh, portfolio parce que ça me semble euh, crucial, primordial pour la plupart des artistes qui sont présents ici, euh, puisque... Euh, voilà. Ah tiens, qu'est-ce qu'un quelqu'un me demande d'ailleurs, puisqu'il y a un gros intérêt à être en live, c'est que vous pouvez poser des questions. Comment on fait remonter des améliorations à l'intérieur de Photoshop, comment faire monter des améliorations chez Adobe, vous allez chercher le site qui s'appelle feedback.photoshop.com. Je vous mets le petit lien là en grand. Feedback.photoshop.com Et quand vous irez sur feedback.photoshop.com, eh bien vous pourrez poser vos questions. Vous pourrez remonter des problèmes si vous avez un souci particulier avec une des versions de Photoshop, hein, vous voyez qu'il y a des choses pour Photoshop, pour Lightroom, pour Photoshop Elements, pour Bridge, pour le Camera Raw, etc. Donc vous avez pas mal de choix. Et si vous avez des idées, eh n'hésitez pas à les poster là, n'hésitez pas à leur demander-leur euh, eh euh, la lune pour le coup, parce qu'ils ont vraiment euh, pas mal de... Ils ont vraiment pas mal de poids. Et pour le coup, plus vous êtes nombreux à poser la question sur un contenu, eh, plus vous vous pouvez voir par exemple ici toutes les idées. Je peux demander à voir les idées qui ont le plus de moi aussi. J'aimerais bien qu'il y ait ça. Et ce qu'on va voir aussi dans les choses qui ont le plus de, 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 de ce genre de contenu, ben regardez ici, vous voyez que cette idée-là, euh, être capable d'organiser les photos par attribut euh, autrement que euh, à la date à laquelle elles ont été capturées, c'est une idée qui est considérée par l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe lit ce contenu et du coup va pouvoir le mettre en place. Et j'ai certaines idées qui sont planifiées, donc on sait qu'elles vont venir, et certaines idées qui sont implémentées, donc qui font maintenant partie de Photoshop ou de Lightroom, ou d'un des éléments de l'équipe donc voilà euh, tout je vous propose de reposter cette question là plutôt à la fin euh, quand j'aurai plus le temps de le voir et sinon bah, n'hésitez pas à aller sur feedback.photoshop.com voilà donc aujourd'hui portfolio parce que c'est important euh, les feedbacks parce que vous avez toujours besoin, vous avez des questions, c'est en anglais si jamais vous êtes plutôt utilisateur français vous passez sur forum.adobe.com voilà, vas-y, charge-toi. Ok. Et sur forum.adobe.com. Hop, on va aller juste à la racine, ce sera mieux. Vous pourrez lui demander eh bien d'aller regarder les questions sur vos logiciels préférés. Mais puisque vous êtes francophone, vous pouvez passer aussi sur les forums internationaux et notamment le forum en français. Et sur ce forum en français, eh bien vous pourrez poser votre question. Vous aurez des gens qui vous répondent, qui sont des utilisateurs comme vous et qui peuvent du coup faire avancer vos problématiques. Alors qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que le live parle de colorisation sur l'image Entre autres, on va parler de couleurs, on va parler de beaucoup de choses. Chose. Ici euh, je suis revenu tiens sur mon profil Beyond parce que j'aime bien euh, et que ça va me permettre de m'appuyer sur des sur des contenus. Euh, là par exemple c'était la recette, ma recette de la potato salada, euh, qui est un truc japonais que j'aime beaucoup qui a été faite à l'aquarelle. Est-ce que je suis capable, moi, de retrouver justement ce genre de technique Et est-ce que je vais être capable de retrouver ce genre de rendu à l'intérieur de Photoshop Donc on va voir quelques manières de le gérer. Et puis on parlait de... Quelqu'un me demandait de la couleur, de la colorisation. Ici, par exemple, c'est des dessins qui ont été faits à l'encre et qui ont été colorisés derrière. C'est pas forcément mon meilleur rendu, mais c'est pas très grave, qui ont été colorisés à l'intérieur de Photoshop. Ici, pareil, j'ai des tracés, à... enfin des tracés, pardon. Une illustration aquarelle, et de cette illustration aquarelle, j'ai fait des nettoyages, des corrections, de la courbe, j'ai rajouté mes couleurs en aplat à l'intérieur de mon Photoshop, etc. etc. Donc vous voyez qu'on est tout à fait capable, enfin vous voyez, je suppose que vous en avez un petit peu conscience, qu'on est capable à l'intérieur de Photoshop de vraiment euh, faire le maximum... Pour vos images tradit, vous pouvez tout à fait revenir dessus, vous pouvez tout à fait euh, les améliorer au maximum pour aller vers la direction qui va vous intéresser et qui vous servira. Euh, les brosses, brosses prédéfinies, né, né, né. ok, je vois les questions. Session avancée, merci d'avoir retweeté, le, enfin d'avoir redispatché le lien vers la session. Merci, merci. Bon, bah, ça va. Tout le monde est toujours là. J'espère que vous me suivez. Et j'espère que ce que je vais vous proposer aujourd'hui vous donnera un petit, peu de... un petit peu de matière pour travailler. Autre truc. Donc, je vous ai passé tout à l'heure le lien du Creative Cloud pour la photographie. Du coup, je vais vous poser la question qui ici est sur une version récente de Photoshop, sous-entendu Creative Cloud Qui ici est sur une vieille version me dites euh, voilà vous me dites cc ou vous me dites cc 100% ou vous me dites euh, cs6 cs5 cs3 euh, voilà dites moi où vous vous êtes arrêté à photoshop parce qu'il s'est passé pas mal de choses et dans les choses qui ont eu lieu moi ce que j'aime beaucoup euh, sur ce sur ce contenu là et eh bien c'est d'abord qu'à l'intérieur de votre application creative cloud vous avez pas mal de petites choses euh, hop voilà mets toi en place hein, creative cloud alors on va t'accrocher, on va te décrocher. Toutes les catégories, pourquoi tu ne veux pas. Ah, il a décidé de me jouer un tour, un, un tour de, 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 de fidou. Puisque je ne peux pas faire ce que je veux, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le quitter. Si j'arrive à le quitter, je le quitte. Voilà et je le fais revenir, parce que parce que j'aimerais bien que vous voyez la même chose que moi. Alors, Photoshop CC 2017, CC, vous êtes à fond sur Photoshop, c'est bien. Tiens, il y en a quelques-uns qui sont restés sur des versions anciennes, mais alors, je vais vous donner des... J'ai essa essa essayé, en tout cas, de vous donner des bonnes raisons de revenir sur des versions plus récentes. La première, eh bien, vous savez que vous avez vos applications qui sont toujours à jour. Si vos applications sont à jour, vous pourrez regarder hein, le lien que je vous ai passé sur le Creative Cloud pour la photographie, ça fait que votre Photoshop, il n'est pas super cher donc quand je demande les plans hop creative cloud creative point adobe slash plan eh bien j'ai accès aux tarifs des applications, alors vous allez me dire moi j'ai besoin que de Photoshop et donc vous pourriez aller chercher le logiciel seul et lui demander Photoshop. Et vous voyez qu'il vous dit ok c'est possible, ça vous coûte 23,99€ par mois, TTC, et vous avez votre Photoshop, vous avez 20Go de stockage, etc. Ça c'est très bien, mais euh, moi celle qui m'intéresse et que je promeux avec vous aujourd'hui, c'est plutôt celle-ci, pour les photographes, Lightroom et Photoshop. Vous allez me dire, je suis pas photographe, j'ai pas besoin de Lightroom. Regardez quand même ce qu'on fait avec, ça peut toujours servir, ne serait-ce que parce qu'il y a des moments où euh, juste appliquer un filtre et un recadrage, ça sauve une image. Et surtout, et eh bien vous avez votre Photoshop qui est accessible, sur lequel vous pouvez travailler. Et vous avez euh, votre portfolio en ligne. Et donc en extension du bilan dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez aller voir votre portfolio. Moi j'ai mon Adobe Portfolio. Et dans mon Adobe Portfolio, hop, slash fr32c, je retrouve mon... Euh, non, c'est de l'autre côté, pardon. Donc, un jour j'y arriverai et un jour j'aurai l'adresse complète de ce portfolio, voire même j'aurai mon nom dessus. J'aurai même mon site internet dessus. Pour l'instant c'est myportfolio.com. Mais donc c'est à ça que vous avez accès. Et là pour le coup eh bien j'ai les mêmes contenus que ce que vous aviez sur la partie biens, mais j'ai plus du tout de commentaires. J'ai la mise en page que j'ai choisi etc etc. Donc voilà c'est quelque chose que je vous recommande de regarder et pour le coup ça coûte pas super cher, euh, ça coûte beaucoup moins que toutes vos cotisations sociales pour je parle à tous les artistes illustrateurs qui, euh, qui, qui avancent sur ce genre de sujet. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans notre Creative Cloud Et eh bien, dans, le, dans notre Creative Cloud, en plus de nos applications, on a accès à ce qui s'appelle des actifs, donc aux moyens de stocker en fait des contenus. Et ce que vous allez pouvoir stocker, eh bien, ce sera vos fichiers, ce serait éventuellement des polices de caractère. Dans le, dans le Creative Cloud pour la photo, on en a beaucoup moins, mais euh, en tout cas, on peut imaginer le faire. Et vous avez accès au market. Et pourquoi je vous parle du market Eh bien, parce que dans les catégories, par exemple, je vais retrouver eh bien, des motifs. Et dans les motifs, je vais pouvoir rechercher. Et par exemple je pourrais rechercher une texture de papier. Et si je recherche une texture de papier, euh, hop, je vais retrouver hop, ici, euh, bien ce papier là qui m'intéresse et que je peux utiliser en tant que motif. Je peux le télécharger et je vais le télécharger où eh bien directement dans ma bibliothèque. Je le télécharge dans la bibliothèque, il va être rajouté, et quand j'irai travailler sur mon Photoshop, vous voyez il y a pas mal d'applications, mais celle qui nous intéresse c'est Photoshop, Eh bien je vais retrouver ici certains éléments de texture. Que je pourrais placer, que je pourrais euh, mettre en place et, euh, et réutiliser, réappliquer. Je double-clique d'ailleurs sur une texture, cet élément-là me plaît. Euh, a priori, je l'espère, hein, on va regarder, on va faire, vous connaissez les, les traditionnels filtres, divers, translations, et on va lui demander de le décaler un petit peu. Hop, hop. Voilà, celui-là est propre. Il reboucle, donc il y aura pas trop trop de soucis. Euh, du coup, ça veut dire que je peux l'utiliser pour mon pour mon contenu. Et si je veux l'utiliser pour mon contenu, qu'est-ce que je fais Je sélectionne tout ça et je vais lui dire édition, utiliser comme motif. Je l'utilise comme motif. Là, je vais l'appeler Market. Paper, puisque ça vient du Adobe Market, du CC Market même. Euh, paper, et comme ça je vais le retrouver, et je pourrais tout à fait l'utiliser, par exemple, sur un fond de page. Ici j'ai créé une page, pour l'instant il y a pas mal de choses dessus, j'en ai pas besoin. Je peux fabriquer à l'intérieur de mon Photoshop, euh, ici, le motif, un, un calque de motif, et ce calque de motif, ben, je vais aller choisir, ici vous voyez j'en ai quelques-uns, euh, je peux prendre, là j'avais des lignes, etc. Je peux, je peux zoomer dessus si j'ai besoin, mais je vais prendre mon CC Market Paper, vous voyez, il est relativement doux, euh, il est très propre et il me permet de retrouver en fait euh, ben, un ressenti sur mon image. Et ça, ça va être assez sympa, justement, de pouvoir faire ressortir tout ça. La meilleure offre, c'est celle pour les étudiants. Oui, ben, quand vous êtes étudiant, effectivement. Quand vous n'êtes plus étudiant, comme certains euh, de nos, euh, des, des utilisateurs qui nous suivent, euh, effectivement, l'offre euh, pour la photo, elle est plutôt pas mal, même pour les éditeurs. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Et puis, euh, du coup, ça m'a permis de vous montrer, sur le côté, j'ai un panneau qui a débarqué dans Photoshop il y a quelques temps. Hein, vous l'avez euh, sans doute déjà vu, c'est le panneau de bibliothèque. Alors, euh, question, qui ici a déjà utilisé les bibliothèques CC Alors, on les appelle les librairies CC en anglais. Donc, mettez-moi libcc et vous mettez 0%, 50%, 100%. Euh, comme ça je vous en parle et je vois un petit peu euh, qui fait quoi et qui réagit sur ça d'ailleurs n'hésitez pas hein, la session elle est en live euh, vous pouvez la partager vous avez l'url en dessous hein, de, de partager euh, c'est youtube hein, vous connaissez pour les gens qui nous attrapent en cours de live n'hésitez pas aussi à revenir hein, vous avez la petite, la petite barre rouge et vous pouvez même nous rattraper euh, et nous retrouver sur le, le point où on était au départ donc les librairies cc ouais moi c'est quelque chose que j'adore pourquoi parce que ces librairies en fait, elles vont nous permettre de stocker des choses. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais dans mon panneau de market, et dans mon panneau de market, eh bien, je suis allé chercher un papier et il s'est retrouvé directement dans mon, dans mon Creative Cloud. Donc c'est super pratique. Je peux l'utiliser comme ça. Ce que je peux faire aussi. C'est que je peux aussi stocker des brosses, je peux stocker des textures, je peux stocker tout un tas de choses. Et euh, un petit point qui est assez intéressant, il faudra que je vous passe le lien tout à l'heure, vous me rappellerez à la fin de la session de vous le faire passer, ou d'aller euh, ou d'aller justement rechercher en ligne sur le blog d'Adobe, vous allez chercher Kyle Webster, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est un super illustrateur, d'ailleurs il sera présent dans une des. dans une des prochaines sessions de, de la chaîne US, donc la chaîne en anglais pour marquer, montrer justement la manière dont il travaille. Alors, je ne sais plus s'il y a sa page. Euh... Est-ce que je vais retrouver sa page Voilà, j'ai retrouvé son site web. Kyle Webster, c'est un illustrateur qui déchire un peu. Hein. Il maîtrise son sujet, il fait des trucs quand même assez sympas. Et avec quoi il fait justement ces contenus-là Il les fait avec des brosses Photoshop. Et donc, les brosses qu'il propose, il a fait une page exprès sur laquelle il vous partage quelques-unes de ses brosses. Il vous dit que vous pouvez les utiliser sur Photoshop Sketch si vous avez une tablette, mais vous pouvez tout à fait les réutiliser, tiens, ça c'est un illustrateur français, il va falloir qu'on se parle bientôt. Vous pouvez tout à fait les utiliser sur votre Photoshop. Et du coup vous pourrez gérer eh bien, les répartitions, la manière dont ça se met en place. Et euh, surtout, ça tient juste en cliquant sur ce lien, hein, get the free brushes here. Donc je clique. J'obtiens les brosses, j'ai accès à ce qu'on appelle les assets partagés, et ces éléments partagés, eh bien, je peux les enregistrer, ou je peux les rajouter, euh, je peux les prendre un par un si je veux. Je les enregistre, il va me fabriquer en fait une bibliothèque, et cette bibliothèque, si je cherche ici, alors est-ce que je la retrouve là-dedans, Kyle, et je vais chercher dans toutes mes bibliothèques, je retrouve dans les formes, et je retrouve les formes de Kyle Webster. Et là, ça commence à devenir cool, parce que vous allez me dire, ouais, Kyle Webster arrive à partager ses brosses. Qu'est-ce que c'est que ces brosses Eh bien, je les teste, hein. on a tout à fait le droit de tester des choses. Je vais mettre un nouveau plan de travail. Et donc j'ai... Alors j'ai le Leaky Fountain Paint. Hop, on va se remettre. Non, on va le laisser en rose, c'est pas mal. J'aime bien en rose. Hop, on va zoomer, on va se mettre à 100%. Ouais, voilà. Donc là, c'est son. Ça, c'est son crayon. Euh... C'est son crayon style, euh... style J'ai accès à son wet edge. Donc je peux cliquer dessus et je peux regarder un peu justement comment on va mettre ça en place. Puis vous allez me dire, ouais, c'est sympa ce que tu viens de faire. Mais le problème, c'est que ce que tu as fait, c'est des, des brosses avec une couleur qui n'est pas terrible. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Euh, je vais retourner dans la bibliothèque qui correspond aux brosses de Kyle. Je vais prendre toutes ces brosses. Une, deux, je sélectionne avec majuscule, CTRL-CLIC sur les librairies et je vais les copier dans ma bibliothèque à moi, Ask Photoshop. Ça va me permettre, quand je reviens dans ma bibliothèque, de retrouver les brosses, de retrouver mes papiers, de retrouver mes couleurs et du coup je vais pouvoir commencer à retravailler. Alors là, vous voyez, je suis sur une de ces brosses qui fait des tâches. Euh, je peux aller chercher, donc là j'ai des traits un petit, peu, un, un petit peu plus vifs, je peux choisir mes couleurs. Comme j'en ai besoin. Alors, vous voyez, ça, comme d'hab, plus euh, vous avez sans doute l'habitude, hein, plus vous avez des pinceaux qui sont grands, plus vous avez besoin d'avoir une machine réactive. Donc, n'hésitez pas. Il hein, euh, y a toujours un moment où on se dit ah, tiens, c'est peut-être le moment de changer de machine et de reprendre un tout petit peu la main sur la vitesse de travail sur ces contenus. Voilà, hop, ici, je me dis peut-être que je vais bientôt changer. Faudra qu'on qu en reparle. Et là, vous voyez, cette brosse-là, c'est quand même une superbe brosse d'aquarelle que je vais pouvoir utiliser pour du dessin. Ça vous va, ça Un petit oui, un petit non Ouais, je trouve ça assez génial. Je trouve ça assez super. Euh, J'aime vraiment bien la manière dont il, a, dont il a géré tout ce contenu. Vous voyez, il y, y a vraiment. C'est pas grand-chose. C'est quelques brosses qui permettent d'avoir vraiment euh, tout un tas de rendus sur lesquels on va pouvoir se baser. Et du coup, quand je suis arrivé dans ma, dans ma galerie, j'ai retrouvé aussi bah, des couleurs que moi j'avais sélectionnées, sur lesquelles j'avais souhaité travailler. Dans Photoshop, quand vous êtes en train de travailler en illustration, il y a toujours ce moment où on va se dire ben, comment, euh, comment je vais euh, organiser mes couleurs. Vous avez un nuancier dans Photoshop. Le nuancier dans Photoshop. Alors est-ce qu'on trouve des papiers dans CC Ouais, vous allez trouver des papiers et vous allez les trouver. Je vous ai dit là dedans, dans euh, Creative Cloud, le market. Il y en a pas mal, ils sont gratuits, ils sont euh, à usage euh, illimité. Vous avez aussi moyen nouveau nouveau document. Donc, fichier, contrôle ou commande N hein, pour ceux qui sont sur PC, et vous pouvez lui demander d'aller travailler sur de l'illustration. Et sur l'illustration, vous allez avoir eh bien, vos, vos paramètres de d'habitude. Hein, je vais faire euh, un document qui fasse 1000 pixels sur 1000 pixels à 300 dpi. Why not mais je peux descendre aussi et vous allez voir qu'en bas vous avez accès à des éléments qui sont et eh bien ici des textures d'aquarelle qui sont des textures de pulsation vous pouvez aller regarder et trouver ben justement des textures de papier grunge voilà texture de papier grunge je peux afficher mon aperçu si j'ai envie de voir ouais c'est pas mal ça me plaît bien et ça va me permettre de coller de poser ma propre illustration dessus donc je télécharge évidemment ça dépend de votre connexion si jamais vous avez Trop de... Si jamais vous êtes perdu au milieu de la campagne et que vous n'avez pas de pas de... de réseau, ça va prendre plus de temps. D'ailleurs là, je suis en train de me dire que de mon côté, ça a l'air de prendre pas mal de temps si ça va, on s'en sort. Voilà. C'est en train de télécharger. Et du coup, je vais pouvoir par la suite les retrouver, je vais pouvoir les utiliser. Ici, il est en train de me le charger, 20 mégas sur 60, et ça va me donner. Quelques textures de papier que je pourrais réutiliser. Est-ce qu'il vaut mieux du Mac ou du Windows pour Adobe A priori, c'est équivalent. C'est Comme le dit euh, Creators, ça va dépendre de vos moyens et de ce que vous utilisez. Si vous êtes que sur Adobe, c'est vraiment équivalent. Moi, j'ai une tendance à préférer le Mac parce que c'est de l'habitude, de l'usage, mais il se fait des très belles choses en, sous Windows, donc euh, au choix. Euh, dommage que dans les formes, ne que dans les formes ne soient pas nommées beaucoup de broches. Alors quand vous avez beaucoup de broches, effectivement, vaut mieux vous y prendre un petit peu tôt et vaut mieux les essayer. Parce que euh, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous montrer, vous faire un tour d'horizon. Mais vous vous doutez bien que tous les utilisateurs, tous les peintres, tous les artistes euh, que vous pouvez voir travailler d'habitude, c'est des gens qui ont mis des années avant d'assimiler un outil. Alors je vous fais un petit tour ici. Hop, sur la page YouTube d'Adobe France. Euh, je, je vous verrai. Hein, vous y êtes déjà. Vous êtes peut-être même sur l'application. Vous voyez qu'on est en direct là-dessus. Mais vous avez aussi une page qui s'appelle Tuto ». Et quand vous remontez sur les tutos, vous allez voir qu'on a des sessions photo, des sessions dessin, des sessions graphisme. Et vous verrez aussi qu'on a des masterclass. Alors n'hésitez pas. Vous avez une petite loupe directement sur la page YouTube. Et vous tapez masterclass. Hop. Et il va chercher directement là-dedans, et vous allez voir qu'on a reçu quelques gens qui sont plutôt euh, euh, qui maîtrisent leur sujet. On a reçu Tizieu, euh, on a reçu Marc Simonetti, on a reçu Sébastien Hu, on a reçu Marc Brunet, on a eu la chance d'avoir Bastien Grivet, euh, Gary Jamroz Palma, etc., etc. Vraiment pas mal de monde, on a eu Cassis Lib, euh, on, a, voilà, on a des masterclass avec des artistes qui maîtrisent vraiment le sujet, qui vous présentent la manière dont ils utilisent leurs outils, qui nous font des trucs super. Donc quand vous aurez fini la session avec moi, n'hésitez pas à vous prendre quelques heures de tout ça. Euh, en général, ça plaît beaucoup, les gens apprennent beaucoup euh, et c'est très très inspirant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en aura encore euh, très prochainement des masterclass. Euh, restez avec nous, je vous donne plus d'infos à la fin. J'ai téléchargé mon papier, je l'ouvre. Quand j'ouvre ce document, il me dit « Votre image ici ». On va déplier un petit peu nos, nos colonnes, euh, nos calques, pardon. Hop. Ici, vous voyez, j'ai mon panneau de calques. Il me dit les options d'incrustation en couleur, est-ce que je les règle Les options de texture de papier, les options de cadre, etc. Est-ce qu'il y a un cadre ou pas Et puis surtout, mon image ici. Mais qu'est-ce que c'est que mon image Pour l'instant, je ne l'ai pas encore faite. Eh bien, double-clic dessus, j'ai un nouveau document qui s'ouvre. Alors je vais le mettre sur le côté, Check. je ne sais pas si vous connaissez ça, je peux le glisser sur le côté ou je peux lui demander dans le menu fenêtre de réorganiser et de voir deux vignettes verticales, c'est pareil. Eh bien du coup je peux tout à fait masquer cette chose-là et je peux tout à fait reprendre eh bien, un nouveau, non pas un groupe mais un nouveau calque, reprendre un de mes pinceaux de tout à l'heure, choisir une couleur qui me plaît bien, et puis dessiner, euh, je sais pas, moi, bon, un personnage, euh, commencer, euh, commencer à faire une illustration peut-être un, peu, euh, un petit peu mieux sentie que euh, voilà. Partir, vous pouvez partir sur du concept art, vous préparez votre contenu, et ce contenu là, c'est ce qu'on appelle un objet dynamique. Donc je sauvegarde ici. Et il est présent, il arrive de l'autre côté. Et donc j'ai cette texture de papier, j'ai ce rendu-là. Je reviens, je me fais un nouveau calque pour travailler, je vais chercher ma couleur euh, humide, comme euh, elle avait été appelée, et puis je vais mettre, hop, ici un rendu un peu couleur humide dessus. Tchac. Je décide de choisir mes couleurs un peu au hasard. Euh, C'est pas très grave, hein, on, est, on est juste sur une session démo. Vous allez me dire, oui, mais tu pourrais faire des trucs beaux et élégants. Non, vous êtes là pour faire les trucs beaux et élégants. Moi, je suis là pour vous donner un petit peu des idées de la manière dont on peut travailler avec. Hop, je le glisse en dessous. Je trouve que l'arrière-plan en rouge, ce n'était pas une bonne idée. Je veux retrouver eh bien, un papier d'aquarelle. Hop, je prends le papier d'aquarelle hein, que j'avais téléchargé tout à l'heure. Je le tourne, je le mets en place. Et voilà. Alt, glisser. Je le mets évidemment au bon endroit. Je glisse mon calque au bon endroit. Et maintenant, je sauvegarde et je vais retrouver mon illustration de l'autre côté. Et cette illustration, elle a subi un nouveau traitement. Vous voyez, on retrouve, eh bien, ici, autre truc, si vous jouez beaucoup sur plusieurs images à la fois, vous pouvez prendre l'outil main et lui demander de faire défiler les fenêtres ensemble. Je clique ici, défilement des fenêtres ensemble, comme ça, je vois le rendu de départ, et je vois le rendu final après traitement. Donc ça me permet de voir, mais oui, les couleurs sont atténuées, elles ont quand même une meilleure tronche. Est-ce qu'on peut créer ses propres bro brosses <coughs> Oui, sans aucun problème. Je fais une pause technique. <coughs> On va voir si ça me permet d'avoir la voix qui tient un petit peu plus. <coughs> pardon, pardon. Donc si tu veux un vrai mec, alors je vois que ça discute matos, c'est bien, c'est sympa que vous ayez des tas de choses euh, à échanger, ça fait plaisir de voir... Euh, que tout le monde a plein de questions, ça c'est chouette. Alors, on peut créer ses propres brosses, effectivement avec Capture, Capture mobile d'Adobe. Vous regarderez dans la playlist, on en a pas mal parlé l'année dernière, beaucoup moins cette année, puisqu'on est revenu sur des sujets qui sont beaucoup plus, je dirais, terre à terre. Euh, c'est les sujets des applis que vous utilisez pour de vrai. Ici, ce que je peux faire dans mon Photoshop pour la technique Tradie, c'est que je peux prendre aussi le calque du trait, et je peux lui demander, si je sais que c'est définitif, de changer la couleur, euh, question image, réglage, teinte, saturation, et lui dire voilà j'aimerais bien que cette couleur là, hop, elle parte sur une autre couleur. Et si je me dis que c'est pas définitif et que je vais vouloir revenir dessus plusieurs fois, je peux utiliser à l'intérieur de Photoshop, dans mon panneau calque tout en bas ici, un nouveau calque de réglage et un calque de réglage teinte, saturation. Je vais me dire ok c'est exactement la même chose, mais non regardez c'est pas la même chose parce que je fais mon réglage. J'enregistre mon fichier, c'est bien et tout va bien. Mais si je me dis, ouais, non, finalement, le, le vert, il n'était pas terrible, j'aimerais bien l'avoir peut-être un petit peu plus foncé. Ben, J'ai encore accès au réglage là-dessus. Mais là, ça me change toute l'image en dessous. Alors, je vais, faire un... je vais pouvoir lui demander ici de ne s'appliquer qu'au euh, qu calque inférieur. Check. il s'applique uniquement à mon calque de, de trait. Donc voilà, j'organise, je rajoute peut-être un petit peu plus de saturation, je décide d'aller changer peut-être les couleurs, voilà, on va rester peut-être dans des tons un petit peu plus denses, je peux même lui demander de recoloriser mon trait. Ça, ça va peut-être même être la solution la plus simple, parce que je vais tout de suite la couleur, je verrai tout de suite le niveau de saturation, la densité, et euh, quand je sauvegarde, et bien je vois tout de suite le rendu sur cette partie illustration. Ça vous va ça alors le lien vers les brosses de Kyle, euh, je vous le passe après sur Twitter, euh, je vous le passerai après dans le chat. Tiens, euh, je vois qu'on a Cassis Lib, dont j'ai parlé de la masterclass sur la, la caricature. Il nous a fait une belle caricature du futur président des États-Unis à l'époque. Voilà, euh, merci, c'est grâce à lui, je pense qu'il se passe toutes ces choses-là à l'international. Donc, euh, j'ai préparé mon travail, j'ai préparé mes teintes. Surtout, surtout, n'hésitez pas, ici, je démarre. Avec avec pas grand chose j'ai un calque de trait un calque de couleur donc je m'y retrouve facilement je n'hésite pas à double cliquer et l'appeler trait et faire tabulation pour passer au calque suivant et renommer couleur pourquoi je fais ça et bien parce que je pourrai par la suite dans ce document là retrouver plus facilement mes calques par exemple par nom et je souhaite retrouver tous les calques qui s'appellent tr quelque chose trait et ça me facilitera la vie pour pouvoir les réorganiser. Quand vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas très grave. Quand vous, dès que vous commencez à avoir plus de 5 calques, nommez-les, vous allez gagner du temps sur le long terme. Ok, il faut se connaître, il faut toujours être à jour niveau driver, etc. Ouais. Sur les forums de Motion, beaucoup se plaignent d'after, etc. Où est le problème bah, Les cartes graphiques, toujours. Hein. Le lien pour les brosses de Kyle Webster, je vais essayer de vous le retrouver, je vais essayer de vous le donner. Voilà. Allez, euh, si je peux le faire, regardez, si, si, je peux le faire, je peux même mettre très, très fort, regardez bien. Je prends ce lien-là, je le copie, je vais sur la page d'Adobe France, je vais sur l'accueil d'Adobe France. Là, il va me dire que nous sommes en live, il va se rappeler qu'on est en train de se parler et qu'il est en train de se passer des tas de choses sympathiques avec vous. Ou pas d'ailleurs. Non, visiblement il est fâché. Zut, je suis très déçu. <laughs> Hop, vidéo. Alors petit pépère. <laughs> non, visiblement j'ai 0, 0, 0. Connexion, eh bien pas de lien de Kyle Webster, mais vous irez chercher un Kyle Webster, Photoshop, Brushes, sur le blog Adobe, franchement vous devriez trouver. En général ça se passe plutôt pas mal. Et je vous remettrai le lien bah, peut-être à la fin dès que j'aurai Internet, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pas très grave, parce qu'on peut travailler sans internet et ça évite les distractions. C'est comme euh, vous parler alors que je pourrais bosser en ce moment. <laughs> euh, ok, bonjour, merci. Ouais, ton pouvoir est immense, Cassis. Bravo, félicitations. Alors tiens, du coup, tout à l'heure, je vous ai montré la main qui me permet de bouger deux fenêtres en même temps. Je vous montre que la loupe vous permet de défiler, de faire le zoom de plusieurs fenêtres en même temps. Et que c'est le principal intérêt de la loupe. Sinon, comme beaucoup de gens, je fais des commandes plus et commandes moins. Je fais des loupes diversifiées. Là, je peux appuyer et glisser. Hop, et il va faire matcher mes deux images l'une après l'autre. Donc ça, c'est des petits, des petits détails, mais qui vous feront gagner du temps, je l'espère. Ok, donc les traits, la précision, mon tracé, quand j'utilise un pinceau. Euh, ici, j'ai fabriqué mon pinceau, alors on va oublier cette fenêtre-là, on va tout regrouper ici, voilà. Quand j'utilise un pinceau, que ce soit le Leaky Fountain Pen ou le Wet Edge, euh, lorsque je trace, eh j'ai une épaisseur. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus fin... Pour avoir un dessin un petit peu plus léger et propre, bien je peux lui demander ici. Vous connaissez tous le petit lien ici qui me permet d'aller chercher euh, l'épaisseur. Je peux lui dire voilà, on va aller chercher un pinceau qui va faire 100 pixels plutôt que 20 pixels. Et puis vous vous rendez compte que 100 pixels c'était peut-être beaucoup pour cette illustration là. Donc il faut peut-être que je réduise. Alors combien c'est réduire 64. Ouais non c'est encore un peu gros. Si vous n'avez pas envie de faire des allers-retours comme ça, je vais vous montrer un truc. Ctrl clic sur votre page, déjà vous ne changez pas d'emplacement, vous êtes au bon endroit. Ici, je peux lui demander de revenir sur la version de départ. Voilà, on va revenir sur du 20 pixels. Mais surtout, ce que je vais faire et qui moi va me sauver la vie, c'est que je vais utiliser non pas juste Ctrl clic, mais je vais faire Ctrl et Alt. Donc euh, ça va faire clic droit et Alt pour les utilisateurs PC, Ctrl et Alt pour les utilisateurs Mac et quand je vais glisser à droite, ça va Augmenter la taille du pinceau, quand je vais glisser à gauche, ça va réduire la taille du pinceau. Du coup, je vais pouvoir avoir, peut-être euh, que je souhaitais faire des hachures, je vais pouvoir retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement euh, mes hachures, je vais pouvoir changer la taille de mon trait. Et puis, si j'aime bien ce réglage-là, qu'il me plaît bien en 11 pixels, je n'hésite pas à créer une nouvelle forme et je vais l'appeler Kyle Brush 11. Comme ça, il va capturer l'épaisseur de la forme dans mon paramètre prédéfini. Donc j'aurai à la fois la Kyle Brush selfie qui était en épaisseur 20, que je peux tout à fait rajouter dans mon set perso. Nouvelle forme prédéfinie, Kyle Brush 20, voilà. Et j'aurai la version 11 pixels. Donc je pourrais passer facilement de l'une à l'autre. Vous allez me dire, mais comment tu passes facilement de l'une à l'autre euh, sans passer par ce panneau Regardez, ici, je vais rechercher mes formes, de, mes formes prédéfinies et je retrouve toutes les formes dont j'ai besoin. Donc ici, celle-ci me plaît bien. Hop. Celle-là me plaît bien. Je repasse sur celle-là. Je garde ce panneau ouvert éventuellement. Alors ça, ça va dépendre de la taille de vos de vos panneaux, bien sûr, de vos écrans. Si vous avez des très petits écrans, moi ici, je suis pour vous diffuser l'écran, j'en ai qu'un tout petit. Mais si j'avais un très grand écran, je me permettrais d'avoir des palettes partout, partout, tout autour. Et ce serait quand même assez pratique. Euh, nanana, ça discute toujours machine. C'est sympa. Hein. Ok en fait personne m'écoute, vous êtes en train de parler machine, vous faites trop plaisir. Donc voilà, j'ai préparé mes tracés, j'utilise pré... l'épaisseur du trait, donc CTRL-ALT, droite et gauche pour changer les épaisseurs. Device preview, j'en ai pas besoin, je retrouve mes brosses ici, je peux lui demander éventuellement dans cette liste euh, d'avoir mon... les vignettes de contour mais d'avoir aussi le nom sur la grande liste, comme ça je, je sais que je retrouve en bas mes dernières brosses. Je peux lui dire, ok, celle-là me plaît bien, on réutilise celle-ci. Je, je, je connais les brosses que je vais utiliser le plus souvent. Euh, je sais que je veux réutiliser la brosse wet edge, je la prends, je la rajoute et je l'appelle Kyle wet. Hop, et la taille c'est du 95. Hop, voilà. Et donc, je vais reprendre. Alors ce coup-ci, je vais me remettre sur mon calque de couleur. Je vais choisir une couleur qui sera très adaptée, voilà, à mon rendu. Check. Et comme ça, j'aurai réutilisé cette brosse et elle sera disponible ici. Ça vous va ça si je fais une illustration sur Photoshop, puis exporter dans Illustrator, je dois changer le nom du fichier où le lien se fait. Euh, si vous, vous aurez sans doute besoin de réactualiser le lien. Là, je, je, c'est à tester. A priori, on peut le faire, mais il n'y a pas de souci. Euh, je pense que pour ce genre de questions, il vaudrait mieux ouvrir un sujet sur le forum Adobe. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Euh, Nvidia, nanana, spécialement. Sorry, sorry, sorry. Non, mais je vous aime bien quand même, hein, même si vous discutez sur le côté. Merci pour les, les gens qui écoutent religieusement. Voilà, non mais je, je plaisante. Hein. C'est, euh, je sais que j'ai tendance à faire toujours plusieurs fois euh, plusieurs choses à la fois. Donc je me doute que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Voilà. Et du coup, vous voyez que j'ai pu travailler donc sur mon rendu, sur l'épaisseur de mon de, ma, de mon, mon contenu derrière je passe mon temps à changer de couleur et vous avez peut-être vu pour les vieux utilisateurs de photoshop que maintenant en haut de mon nuancier à chaque fois que je vais piocher une couleur par exemple ici je vais chercher alt pour avoir la pipette le bleu pouf cette couleur là se trouve dans mon nuancier et du coup si je sais que je vais la réutiliser je peux la rajouter pour pouvoir retravailler là et si je sais que je vais la réutiliser plus tard et ne pas oublier en fait mon contenu eh bien, je peux lui demander petit plus de rajouter la couleur de premier plan. Hop, il va rajouter la couleur de premier plan. D'ailleurs, il m'a même rajouté le graphique de premier plan, ça j'en ai pas besoin. Donc, contrôle clic, supprimer cet élément-là, j'en ai pas besoin. Mais par contre, garder ma couleur, ça c'était une bonne idée. Petit plus, check. Ajouter. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez vous construire votre palette projet par projet. Vous savez que vous les utilisez souvent, mais ça devient super simple de les avoir à portée de main. Votre ordinateur explose en vol, et bien vous allez pouvoir retrouver ça aussi, et vous allez pouvoir facilement euh, compléter vos contenus et compléter ben, votre travail, reprendre votre travail là où vous avez été interrompu par la malchance, les événements, etc. etc. Voilà. Donc vous vous faites plaisir, vous préparez vos palettes, vous rajoutez les couleurs dont vous avez besoin et vous les rajoutez éventuellement à votre nuancier. Nuance 6, etc. Et je peux lui demander, vous voyez, quand je crée une nuance, de l'ajouter à ma bibliothèque actuelle. Je clique ici, nuance 7, tac. et elle est présente ici sur mon nuancier et dans mes bibliothèques CC. Du coup, ça me permet là de lui dire, je ne veux pas une petite vignette, je veux une grande vignette pour pouvoir cocher plus facilement ma couleur. Si je veux choisir une autre couleur... Contrôle Alt, je vous ai dit, c'est pour la largeur. Il y a un autre Contrôle Alt qui est intéressant, c'est que en hauteur, je vais choisir l'opacité. En hauteur, je peux choisir de peindre. Ici opacité 0, opacité 20%, voilà, opacité check, de, de haut en bas 50%, etc., etc. Donc vous allez pouvoir gérer vos brosses aquarelles de manière beaucoup plus simple. Si je continue là-dedans. Ctrl, Alt, Commande sur le Mac, donc clic droit, Alt et Ctrl sur le PC, vous allez pouvoir lui demander d'afficher eh euh, euh, ce disque de couleur, ce disque, pardon, cette, euh, cette roue chromatique qui va du rouge, jaune, vert, bleu, etc., comme l'arc-en-ciel, avec les saturations qui vont avec. Donc, est-ce que je suis très pastel ou au contraire très saturé, est-ce que je suis très clair ou au contraire très dense Et du coup, vous allez pouvoir choisir très facilement vos couleurs. Et si vous trouvez que ça, c'est pas très pratique et que c'est pas super indispensable, vous pouvez passer dans le menu Photoshop, préférences, interface, si je me trompe pas. Je vois donc mon interface de couleurs. tin c'est le moment où je la cherche. Général, sélecteur de couleur HUD, par défaut, euh, il vous propose la bande d'éteinte, la petite bande d'éteinte. Eh bien, demandez-lui la petite roue d'éteinte ou la roue d'éteinte de taille normale. Je lui dis OK. Et là, quand vous allez faire CTRL, clic ALT, vous verrez que pour certains, ça va rappeler des, des souvenirs intéressants. Et si vous voulez passer de la couleur jusqu'à la saturation sans. En, en bloquant cette couleur, vous appuyez sur la, vous maintenez la barre d'espace. Voilà, ça vous fait un peu du, du piano, ça vous fait des contorsions. Je vous promets pas que vous n'ayez pas mal au poignet à la fin, mais en tout cas, ça va vous permettre de beaucoup plus facilement choisir les couleurs que vous aurez utilisées. Ça va ça Un petit oui, un petit non. L'historique de nuancier, c'est vraiment super cool. Ouais, je confirme. Parce que derrière, je prends mon historique, je clique sur une couleur, je la rajoute. Je l'ajoute ou non à ma bibliothèque et je retrouve super facilement toutes les couleurs dont j'ai besoin. Et du coup, je construis au fur et à mesure ma gamme. Je suis plus obligé de me rappeler que j'aurais dû enregistrer mon nuancier pour l'échange, etc. Là, je peux vraiment le faire en direct. Et ça, c'est vraiment super simple. Est-ce qu'on peut faire apparaître le nuancier à portée de main pendant le dessin, comme quand on fait apparaître la roue chromatique Ah, c'est une super bonne question, ça. Euh, je dirais aucune idée. Mais c'est une très bonne question, vous regardez dans le feedback.photoshop.com, et puis vous leur poserez la question aussi. Euh, et, on, et vous me taguerez sur Twitter, et j'irai voter parce que ça me semble très intéressant. Voilà, donc euh, on a vu la précision du tracé, on a vu son épaisseur, on a vu qu'on pouvait récupérer un petit peu eh bien, toutes les matières du papier. Maintenant on va eh, aller regarder les pinceaux euh, plus pour la mise en couleur. Donc on a vu un peu les palettes, on a vu un peu les différentes pointes de pinceau qu'on pouvait utiliser. Je vais vous montrer des pointes de pinceau qui sont assez intéressantes à l'intérieur de Photoshop. Alors je vais virer ces couleurs-là, parce que finalement je regrette un petit peu, je vais me faire un nouveau calque, et ce calque-là, je vais l'appeler Brush. C'est très sympathique les travaux derrière. Quand je vais dans les broches, vous savez que dans votre Photoshop, en haut à gauche, vous avez justement la taille de votre pinceau et vous avez des pinceaux par défaut. Par défaut, vous avez celui-ci qui me permet d'avoir juste le, le pinceau le plus flou et basique. Mais juste à côté, depuis quelques versions dans Photoshop, on a pas mal de différents types de pinceaux. Ici, une pointe arrondie à propagation une pointe émoussée, une pointe, une brosse fine à propagation, etc. etc. Et ces brosses-là, en fait, eh bien elles vont nous permettre d'avoir des rendus qui vont être assez intéressants, parce que regardez, je suis toujours avec mon stylet, quand je l'oriente, eh bien je vais l'orienter en fonction, en conséquence, et je vais pouvoir retrouver même un petit peu certaines sensations d'écrasement du pinceau. Alors bien entendu, il y a différents pré-réglages, il y a des pinceaux qui vont être plus ou moins grands, n'hésitez pas à réduire si vous trouvez que euh, c'est sympa mais que du coup c'est pas exactement ce que vous auriez souhaité comme qualité. Vous pouvez choisir tout ça, vous pouvez partir même pour les plus anciens. Euh, hop, ici je vais m'en recréer un nouveau et je vais lui demander check, de jouer avec l'aérographe. Alors, cet aérographe, il est en mode produit, opacité 60 et flux 60. Qu'est-ce que j'ai raté sur l'aérographe et pourquoi refuse-t-il de dessiner Hop, normal. Hmm. Si je trouve pas ce que je peux faire avec mon aérographe, on va changer d'aérographe. Mm -hmm. Je vais essayer au clic. <coughs> Pardon. Alors mon aérographe, visiblement, il n'est pas du tout, du tout, du tout d'accord. S'il n'est pas du tout d'accord, si, ça y est, là j'arrive à avoir un petit quelque chose... Oh là là. C'est tout pitoyable. Tout pitoyable. Hum, Qu'est-ce que j'ai bien pu rater hum. C'est juste une forme prédéfinie, il a juste une épaisseur. Parfois on se dit, tiens, c'est bizarre, ça fait pas exactement ce qu'on aurait souhaité euh, récupérer. Euh, le, petit point, le petit point intéressant quand on utilise des aérographes ou des brosses spécifiques, c'est qu'on peut lui demander comment il va gérer les couleurs. Alors quand je dis comment il va gérer les couleurs, regardez ici, je vais prendre cette brosse, pinceau. Par défaut, j'appuie et je, je reviens pour faire d'autres traits. Mais je peux aussi lui demander d'utiliser le mode de brosse. De brosse aérographe, et quand je vais appuyer, il va cumuler en fait. Il va continuer de décrire, il va continuer de rajouter de la matière. Hop, ici, il va me rajouter au fur et à mesure ma matière. Hop. Dès que je lui demande, check, vous voyez, j'appuie et il continue de rajouter du contenu. hop Sinon, si j'avais décoché ça, quand j'appuie. Check, j'ai juste un seul point et c'est plusieurs clics. Donc ça, ça va vraiment dépendre de la manière dont vous aimez faire des tâches. Si vous aimez faire les tâches en mode complexe, vous pouvez les gérer au fur et à mesure. Plan de travail, une deuxième plan de travail, je me crée une palette ct pour chaque illus. Agrandir le diamètre, je vous ai dit CTRL-ALT ou clic droit-ALT sur le PC et vous allez de droite à gauche et de haut en bas pour la dureté de votre pinceau ça, n'hésitez pas, c'est super pratique. Comment fais-tu apparaître l'icône de la brosse Ici, sur le côté, je les retrouve sur mon panneau forme prédéfinie. Que je retrouve euh, ici. Voilà, c'est ce petit panneau-là, de forme prédéfinie. Et surtout, ce qui va moi m'intéresser sur le panneau de forme prédéfinie... Et le panneau de forme, c'est que je vais pouvoir en charger. Ici par exemple, vous voyez, j'ai pas mal de formes. J'ai les formes de Kyle Webster que j'avais rajoutées, mais je peux aller chercher euh, dedans. Par exemple, j'avais des brosses qui s'appelaient support sec. Support sec, je vais toutes les remplacer, comme ça vous verrez qu'il n'y a rien pour cet outil. Je vais lui demander d'ailleurs de voir pour tous les outils. Hop, afficher tous les outils prédéfinis. Et là, ce sera des pastels, par exemple, qui seront des pastels avec le pinceau mélangeur. Je peux lui demander d'aller chercher, eh bien, pourquoi pas, les brosses de, de John. Euh, John, dont je n'ai plus le nom, il faudra que je le retrouve. Hop. Qui lui a beaucoup travaillé sur les pinceaux mélangeurs. Du coup, c'est peut-être le moment de vous parler aussi du pinceau mélangeur. Qu'est-ce que c'est Pinceau mélangeur, imaginez, vous débarquez sur une image, alors je vais regarder si j'en ai dans ma mes, dans mes session, peut-être dans ma session Ask Pro, voilà j'ai des images sur lesquelles j'ai travaillé, des trucs que j'aime bien ou qui me et qui me semblent inspirants pour le moment. Je vais prendre cette photo là, et vous, vous dites j'aimerais bien refaire une version un petit peu euh, retravaillée de ça, une version ben, peinte à la main. Si je veux faire une version peinte à la main de ça, ben je peux sortir mes petits pinceaux et je peux aller piocher la couleur et la mélanger, etc. etc. Mais ça risque de me prendre du temps. Bien entendu, n'oubliez pas et n'hésitez pas, vous faites un calque et vous, vous, vous gardez verrouiller votre arrière-plan pour être sûr de ne pas faire de bêtises dessus. Et idéalement même, moi ce que je fais, CTRL-clic, j'en fais un objet dynamique, comme ça je suis sûr de jamais le pourrir, et je suis sûr de ne pas pouvoir peindre par erreur. Voilà. Euh, soit donc je prends ma, mon pinceau et j'essaye de compléter, ou je complète avec un pinceau qui me plaît bien. Ici, je vais lui demander d'aller prendre le wet edge de tout à l'heure et je peux aller peindre et je peux rajouter de ma couleur, etc. Mais vous voyez que ça risque d'être un, un petit peu longué parce qu'à chaque fois je fais des allers-retours couleur-pinceau. Euh, couleur, Maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin là-dedans, je vais pouvoir lui demander un petit truc c'est que ici j'ai. J'ai tout un tas de réglages qui correspondent eh bien, à des pinceaux mélangeurs. Et les pinceaux mélangeurs, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils vont chercher euh, des, des brosses. Ici, j'ai une pointe qui va être plutôt un peu molle, euh, et qui va être en mode mélange, et qui va venir piocher. Regardez bien, ça se joue, tout se joue là-haut, qui va venir piocher de la couleur depuis le dessin. Et qui va venir du coup se charger, et qui va mélanger en fait... Euh, des parties de dessin et qui va mélanger des parties du, de l'image finale. Je vais prendre, euh, pourquoi pas, le blunt. Je crois que le blunt est pas mal pour ça. Round floppy. Voilà. Hop. voyez, ici, je vais aller chercher dessus. Je vais lui dire qu'en termes d'humidité, il va se charger un petit peu plus. Voilà. Et normalement, quand je fais ça, charger la forme. Donc, il va venir... Me mélanger les contenus et je vais aller lui demander. Hop, donc, on va tout nettoyer d'abord. On va lui demander d'aller tout échantillonner. Voilà, comme ça. Hop, je sais pas si, voilà, c'est peut-être un petit peu plus net pour vous. Quand je lui demande d'aller tout échantillonner, en fait, il va au fur et à mesure rajouter et aller piocher de la matière sur le calque du dessous. Il est allé charger la brosse progressivement. Il est allé me rajouter du contenu. Alors, le blunt, peut-être qu'il n'est pas aussi cool que je le souhaitais, est-ce que je vais prendre un curve flat smerry Voilà. And the long comme smary, Voilà. Et là, je vais piocher. Je vais piocher ma matière. Je vais aller rajouter ma couleur. Je peux évidemment rajouter encore alt-clic, prendre vraiment de la matière de la photo du dessous. Et je peux me rajouter justement tous ces types de petits, de petits contenus et de petits, de petits rendus dessus. Quand j'ai terminé tout ça, je ne suis plus juste sur un, sur un pinceau tout basique. J'ai vraiment, vraiment fait évoluer en fait le, mon genre, j'ai vraiment remis en place euh, des, des réglages sur mon image, sur les couleurs, etc. J'ai plus qu'à masquer pour voir où j'en suis et pour voir si c'est quelque chose que je vais pouvoir réutiliser. Euh, Est-ce que ça fonctionne avec toutes les tablettes Ouais, ça fonctionne avec les tablettes à pression. En tout cas, toutes les Wacom, ça marche très bien. Le icône de la brosse, c'est vu. Moi aussi, ma question était de pouvoir faire apparaître au même titre que le sélecteur de couleurs dans l'historique ou le nuancier. Ouais, donc posez la question. Je suis assez d'accord. Hein. Faites-le plutôt que de faire des allers-retours à la pipette. Ouais. Ok. Euh, J'ai vu, mais je savais pas. Je sais pas si c'est possible sans les plugins. Ok. Et je sens qu'il y a des gens qui sont en retard vu la dernière, la dernière petite phrase. Donc voilà. Euh, J'ai ce qu'on appelle donc les pinceaux mélangeurs. Et ces pinceaux mélangeurs ils me permettent vraiment d'aller piocher, d'aller récupérer du contenu, d'aller mettre en place. Eh bien il y a différents, il y a différents types de, de réglages. Et ces différents types de réglages vont me permettre de, de, de fabriquer en fait plus ou moins de détails, d'avoir ici un white blender. Et donc, je vais mélanger la couleur du dessous, je vais mélanger ce que je prends sous le pinceau, et il va aller piocher au fur et à mesure. Et à chaque fois, en fait, il va se mettre à jour par rapport à mon contenu, et il va me permettre de refabriquer en fait mon illustration. Alors voilà. Ici, ce sera vraiment à moi de voir comment je vais aller, euh, comment je vais aller retravailler ça. Mais vous voyez que ici, je reste sur mon illustration de départ, et j'avance progressivement sur les sur les contenus. Voilà. J'ai pas besoin, vous voyez, j'ai qu'une main sur le pinceau et je suis pas du tout en train d'aller piocher à la pipette les couleurs qui vont avec. Voilà, je masque mon, mon calque du dessous et je vais retrouver un petit peu ça. Alors, je sais que certaines techniques consistent à prendre un pinceau beaucoup plus large dans un premier temps, faire sur le calque en question, hop, on va l'afficher, faire sur le calque en question justement bien un gros tracé pouvoir retrouver un peu de la matière, pour pouvoir le réutiliser, et puis ensuite revenir faire du détail, comme vous auriez travaillé à l'huile euh, il y a très très longtemps. Donc voilà un petit peu oh. le genre de choses qui arrivent. Oh. Et on n'est pas mal. Et puis, une fois de temps en temps, notre cher Photoshop euh, plante, ça peut arriver, ça m'était pas arrivé depuis un certain temps, je pense qu'il a pas aimé que mon disque dur soit presque plein. Il n'a pas aimé du tout. Euh, il n'a pas aimé, mais regardez bien ce qu'il est en train de faire. Oh, ça c'est pas mal. Il est en train de récupérer mes dessins. Il est en train de récupérer tous les dessins qui n'étaient pas des objets... Des objets euh... Des objets dynamiques et il m'a rattrapé en fait l'état, l'étape dans lequel était mon, mon illustration tout à l'heure. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique pour pouvoir justement ben, rebosser, pour pouvoir avancer sur vos contenus sans vous dire tiens mon dieu le drame je viens de planter. Voilà les allers-retours la pipette. il y a des trucs géniaux à faire avec le pinceau mélangeur. ouais, j'apprends encore un truc avec les brosses mélangeurs. Merci de rien. À l'huile, il y a très très longtemps. Bah ouais, c'est très très longtemps l'huile pour moi. Je suis désolé, j'ai arrêté depuis au moins la maternelle. Euh, il faut que vous testiez. Oui, testez. Surtout, n'hésitez pas à tester. Me croyez jamais sur parole. Faites des essais. Et par contre, vous pouvez me taguer sur Twitter quand vous avez fait vos images en disant Tiens, j'ai réussi à faire ça. Voilà. Est-ce que ça te semble cool, pas cool, raisonnable, pas raisonnable, n'importe quoi Etc. On est grand, on est entre adultes et on peut, on peut échanger sur ça. Euh. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais au fait, c'est bien de pouvoir récupérer des brosses, c'est bien de pouvoir avoir les super brosses de Kyle Webster parce que c'est super et on peut, du coup, c'est vachement pratique pour pouvoir démarrer, pour avoir un peu de, un peu de matière sur laquelle on va se, on va se baser. Surtout qu'il a quand même fait des trucs qui sont assez charmés en termes de rendu. Et hop, si vous voulez aller dans l'illustration très conceptuelle ou au contraire, eh bien restez sur, sur le dessin. Hop. Check, voilà. On parlait du Velvet Underground, donc il y a encore des morts cette année. Et vous pouvez facilement fabriquer votre contenu, vous pouvez retravailler dessus, vous pouvez mettre tout ça en place. Eh bien, comment est-ce qu'on va fabriquer ces brosses Ici, ma brosse, elle est de manière très basique, elle a été posée. Je peux venir sur la petite icône qui est ici, sur le côté, et qui va me permettre, en fait, de définir ma brosse. Alors déjà, il y a plusieurs manières de définir la brosse. La première, c'est de choisir la forme de la pointe. Par défaut, dans Photoshop, alors attention, on va faire un truc, je vais faire un nouveau document je fais un nouveau document parce que c'est toujours beaucoup plus simple de faire un nouveau document pour faire des expérimentations ça vous évite un, un petit peu de mélanger les choses par défaut vos brosses dans photoshop c'est juste des traits de pinceau hop on va se remettre sur du basique basique est ce que j'ai un pinceau basique basique hop texte arbre etc est ce que si je prends par exemple dans mes formes prédéfinies j'ai une forme basique de chez basique voilà voilà ça c'est du basique vous vous dites ouais c'est pas mal mais j'aimais bien ce qu'avait fait Kyle webster en termes de, de petites tâches je me rapproche je vais faire un contrôle vers le haut pour enfin vers le bas pardon pour baisser la dureté je vais diminuer et puis je vais me faire une petite tâche un petit spot de couleur que je vais réutiliser cette chose là j'aimerais bien l'utiliser en tant que brosse Eh bien je la prends je copie enfin je, je sélectionne édition, je vais lui demander de l'utiliser, de, de définir une forme prédéfinie. Ça, ça va être ma tâche. Ok Donc j'ai ma tâche. Maintenant, quand je prends mon pinceau, mon pinceau, il va travailler avec ma tâche. Et donc il va se baser sur ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Donc le petit côté flou que j'aimais bien, que je trouvais très mignon, bah, je vais pouvoir le réutiliser. Ensuite je reviens sur mon panneau de forme. J'ai bien ma tâche, 70, qui est utilisée, mais cette tâche, vous voyez, quand je travaille avec, eh bien elle me fait des petits ce qu'on appelle du, du pas entre les différentes étapes. Je peux augmenter ce pas. Si vous voulez faire des petites tâches qui partent dans tous les sens, vous pouvez le faire comme ça. Et surtout vous allez pouvoir jouer. Si je l'augmente suffisamment, je vais pouvoir me faire une petite brosse avec des nuages. Hop Je vais pouvoir lui dire qu'il y a de la dynamique dans cette brosse. Par exemple, la taille, par défaut, tous mes petits nuages sont de la même taille. Eh bien je vais dire, ok, on va faire des nuages de tailles différentes qui vont être gérés eh bien, selon la pression du stylet. Hop. Et plus j'appuie, plus mes nuages sont pressés les uns par rapport aux autres. Je vais pouvoir lui demander de faire varier eh bien euh, le diamètre minimal, j'aimerais bien avoir des nuages qui se voient quand même un minimum. J'aimerais bien faire varier un peu l'angle, que mes petits nuages puissent tourner, clic, voilà, pour qu'ils soient un petit peu moins posés. Varier l'arrondi, alors l'arrondi, vous voyez, je vais, je vais écraser mes nuages, ça je vais pas le faire, ça me plaît pas trop. Je vais pouvoir lui demander de gérer la diffusion de mes petits nuages et je continue de me déplacer, je vais changer de couleur comme ça on va passer hop à la diffusion et par défaut mes nuages ils sont alignés. Maintenant je lui dis j'aimerais bien les diffuser. Vous voyez qu'il me les diffuse, j'ai toujours un aperçu ici. Check. Je peux lui demander de les diffuser selon les deux axes, ce qui fait que maintenant ils vont se déplacer en largeur, en hauteur, et je vais choisir justement est-ce qu'ils vont beaucoup se déplacer ou est-ce qu'ils vont être au contraire beaucoup plus propres. Je vais pouvoir lui dire que quand il diffuse, en plus il va dupliquer le nombre de petits nuages. Et là, hop, je fais juste un simple trait et il me fabrique des petits nuages dans tous les sens. Et du coup, moi, je trouve ça assez cool. Je peux lui demander de faire varier justement est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est-ce que tout ça, c'est contrôlé par la pression de la plume. Là, on me dites... Ouais, mais on voit plus rien de tes petits nuages, c'est pas grave. D, X, je reprends les petits nuages en blanc et on est reparti dans l'autre sens. Ça vous va ça? Pour les anglophones, la chaîne YouTube FZD School of Design. Ouais, il y a des trucs pas mal dessus. Donc voilà un peu comment je, je gère ça. Et puis maintenant je vais vous montrer la suite là-dedans. Euh, je descends un tout petit peu, on a parlé de la dynamique de la forme, de la diffusion, on descend jusqu'à la dynamique de la couleur, et je peux faire varier entre mon premier plan et mon arrière-plan. Par exemple, ici, je vais dire, on va travailler entre du rouge et du jaune. Voilà. Rouge, jaune, X entre les deux. Je lui dis appliquer par pointe une variation de 70% entre la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Et hop, au lieu d'avoir une couleur qui serait uniquement jaune, cette fois-ci j'ai bien une couleur qui va aller du jaune au rouge euh, entre mes différentes brosses. Je peux le faire en fonction de la pression de la plume, comme tout à l'heure. Plus j'appuie, plus je vais avoir du rouge. Plus moins j'appuie, plus je vais avoir des couleurs euh, plus posées. Je pourrais lui dire qu'on va varier la teinte aussi. Hop. Je peux lui demander de varier la saturation, etc., etc. Vous voyez qu'on a vraiment énormément de choix en termes de, de mise en place pour la, pour la couleur à partir d'une simple forme. Je rappelle que ma forme de départ c'était ça, et j'étais vraiment sur du très très basique. Maintenant, euh, pour terminer un petit peu là-dessus, on va continuer donc sur mes formes pour la couleur, pour les tracés. Bien entendu, si je resserre le pas, je vais me retrouver sur des formes. Voilà beaucoup plus. Alors on va virer la couleur, euh, la variation de teinte, parce que ça, ça fait un peu mal au ventre. Voilà. Je peux commencer à me retrouver là-dedans. Je peux lui dire, on va varier de l'un à l'autre, mais de manière un petit peu plus délicate. Je vais lui demander de varier la saturation, mais pas tant que ça. Voilà. La luminosité un petit peu, et la pureté, en fait, c'est le mélange, en fait, de mes couleurs. Voilà. OK. Et là, je trouve que ça commence à être, euh, à être un, peu plus, euh, un peu plus utilisable. Donc je sélectionne tout, je vais tout remplir en blanc, voilà, on va se faire un calque, et puis on va pouvoir se faire des dessins. Alors je reprends donc cette brosse-là, je l'aime bien, si je l'aime bien, je vais la rajouter dans mes brosses prédéfinies, ma tâche, euh, ma tâche couleur, voilà. Et ma tâche couleur, du coup, je vais pouvoir la réutiliser. Maintenant, je vais pouvoir reprendre, bien, mon tracé de départ, je vais choisir une couleur de départ, euh, voilà, j'étais sur la, sur la banane, hop, voilà. Je refais la banane que j'avais mise en place tout à l'heure. C'était un petit peu mieux tout à l'heure, je crois, hein, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Je suis en train de, de faire du dessin en live avec des gens qui me regardent. Je suis timide. Je passe en dessous mon calque. Et puis je vais lui dire, bah, ok, maintenant tu vas repartir hop, sur ma tâche. Et ma tâche, on va partir avec du jaune. Et derrière, on va mettre peut-être une couleur, peut-être un marron. Voilà. Jaune et marron. Check. Et je vais inverser. X. Marron et jaune, et je vais avoir directement mon rendu là-dedans. Et si je trouve que c'est pas classe, hop, j'augmente la taille du pinceau. Là, j'ai directement mon arrière-plan. Je retravaille derrière, je veux une couleur, euh, voilà, une couleur différente. Je vais partir sur un fond vert derrière, hop, et je vais le mettre en arrière-plan. Et vous voyez que ça devient ultra simple, en fait, de générer vos matières, de générer vos contenus, de retravailler sur tout ça, et de refabriquer tous vos, vos mélanges. Maintenant, pour terminer sur cette petite chose-là, euh, je vais vous parler de deux petits trucs que je trouve assez utiles. C'est la partie texture et la partie transfert. Alors la partie texture, eh c'est tout simplement le fait que lorsque vous créez une brosse, hop, on vire un petit peu tout ça, on garde la banane, lorsque vous créez une brosse, et je vais repartir d'ailleurs, sur une brosse basique, effacer toutes les options de forme, voilà, je vais repartir sur une brosse basique, je vais mettre sur un calque, oui il se passe rien pour l'instant, par défaut donc j'ai une couleur. Maintenant je peux lui demander d'avoir de la texture dessus. La texture, qu'est-ce que ça va être Par défaut, rien, mais je peux choisir une des matières que j'ai mise en place. Par exemple, ici, j'avais cette matière-là. Hop, quand je regarde, il y a une. Vous voyez que les bords sont un petit peu abîmés. Ça, il commence à se passer un truc. Je vais pouvoir lui demander maintenant d'aller gérer non plus la hauteur, mais la hauteur linéaire, et puis surtout de baisser la profondeur. Et vous allez voir que hop, on commence à revoir apparaître. Dans notre, dans notre pinceau, on va revoir apparaître des, des, des reliefs. Alors, voilà, validez bien votre contenu, validez bien la mise en place de notre pointe, la luminosité. Est-ce que je vois réapparaître en fait cette texture? Et puis je peux même choisir une autre texture, si je trouve que ça me correspond mieux, si je trouve que ça correspond plus à mon contenu. Je peux même lui demander d'aller chercher, regardez ici, j'ai des textures de papier. Hop, papier couleur, je vais l'ajouter. Alors ces textures-là, à mon avis, elles sont pas super. Ce n'est pas très grave. Allez. Hop, j'ai mes textures de papier. Je peux gérer une profondeur peut-être un petit peu plus élevée. Si la hauteur linéaire ne correspond pas, surtout, 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 n'hésitez pas euh, à tester. N'hésitez pas à tester, à regarder jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous va vous convenir. Parce qu'il y a des trucs, parfois on les essaye, on se dit ouais, ça avait l'air bien. Finalement, ce n'est pas si bien que ça. Eh bien, vous pouvez le tester. Et là vous voyez que je suis en train de faire réapparaître directement au niveau de mon dessin. Oula. Je suis en train de faire réapparaître la valeur de ma toile. Hop Ici c'est une toile un peu pérave. Mais ça va me permettre de redonner de la matière à mon contenu. CTRL-ALT. Je redonne la valeur de l'élément. De je peux lui demander de gérer eh l'échelle de tout ça. Je peux lui demander de gérer le contraste. Je peux lui demander de gérer une texture pour chaque pointe ou au contraire une texture pour l'ensemble selon l'endroit où je vais me placer. Je peux lui demander de gérer le transfert. Et le transfert, ça va être eh bien, quelle opacité on va avoir sur notre, euh, sur notre pointe. Et si je change de couleur, eh bien, comment ça va s'appliquer sur mon image, etc. etc. Donc tout ça. Tous ces petits réglages, vous les avez pointe par pointe. Et moi, ce que je vous recommande vraiment, pour conclure en fait la, la session, hum, presque, c'est vraiment de regarder ce qui a été fait par les autres. Kyle Webster, quand il a fait son Wet Edge, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son jaune, il a, enfin son jaune, il a pris sa couleur en tout cas, et il a rajouté de la dynamique de forme. Donc des variations de la taille, des variations d'inclinaison, de, il a rajouté la texture, il y a une matière spécifique qu'il a intégré dans sa brosse. Il a rajouté la forme double, donc il y a une deuxième forme qui vient se rajouter dessus. Il a mis en tant que transfert et eh bien variation de, de, de pression de la plume, au minimum à 30%, etc. Il a rajouté une accumulation de la peinture, ce qui fait que quand je peins plutôt que d'avoir juste une seule ligne, eh bien je vais retrouver mon contenu, euh, etc., etc. Et en décomposant des formes existantes, vous allez pouvoir rajouter les contenus. Comment faire grandir la taille de la texture en même temps que celle de la brosse euh, C'est une super bonne question. Je ne sais pas si c'est possible. Là comme ça, je dirais, je ne sais pas encore. Euh, voilà, donc moi c'était un petit peu les, les, les points que je voulais voir avec vous. Un autre point qui me semble assez intéressant sur les, sur les pinceaux et qui devrait vous plaire. Si je regarde la forme d'une pointe, j'ai certaines formes de pointes qui sont assez cool, qui sont un peu cachées. Ici vous voyez, j'ai des, des crayons 25 et 25 qui sont là. Ces deux crayons là, quand je vais dessus, il va me dire c'est un carré qui est érodable ou un arrondi qui est érodable. Qu'est-ce que ça veut dire érodable Regardez bien. Je dessine. On va dessiner en, en bleu. Je dessine. Et puis j'avance sur mon dessin. Et plus j'avance sur le dessin, plus ma mine va diminuer. Et si ma mine diminue, alors on va se remettre sur... On va ré réinitialiser tout. Réinitialiser tout là-dedans. Voilà. Je vais reprendre les options de ma forme. Et plus je vais avancer sur ma, ma mine, plus je vais lui dire, voilà, plus tu dessines. Plus mon, plus mon arrondi va être de plus, en plus, de plus en plus émoussé, comme si vous aviez un vrai crayon là-dessus. Et vous lui demanderez d'accentuer la pointe pour retrouver en fait la forme de départ. Ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve assez, euh, assez sympa sur, euh, sur Photoshop, et qui vous permet de retrouver, euh, de retrouver de la texture et de la matière. Quand vous avez une plume. Qui, quand vous avez une, une forme qui vous plaît bien, celle-ci par exemple, vous pouvez lui demander, petit plus, d'envoyer. De, attendez que je ne me plante pas. Mmh, voilà, vous pouvez la glisser directement de votre panneau forme prédéfini et rajouter votre propre forme pour la retrouver plus tard. Ok Et bien entendu, vous allez les renommer pour vous. Voilà, on a très, très, très largement débordé. J'avais plein de trucs à vous montrer, plein de choses sur les brosses. Euh, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comment faire apparaître l'image animée du pinceau en haut à gauche Ça, le pinceau en haut à gauche, c'est quand vous utilisez les formes de brosses qui sont là. Hop, Et vous le faites apparaître et vous voyez votre image et vous voyez l'angle de votre pinceau. Le vrai intérêt de ça, c'est quand vous n'avez pas de tablette, puisque vous pouvez euh, organiser en fait, le premier angle d'attaque de votre brosse. Donc, ça, ça peut être utile aussi. Hop, comment faire grandir la taille de la texture Donc ça je sais pas. Vous aimez bien les options de direction, moi aussi j'aime beaucoup. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'il est qu'on a bien avancé dans le temps, qu'on a bien avancé dans les contenus qu'on avait à voir ensemble. Je vais donc euh, vous rappeler que vous êtes sur une chaîne YouTube. Hop, on va voir si ça marche mieux que tout à l'heure. Ouais, non, non, ça marche pas mieux que tout à l'heure. Ça, c'est pas de chance. J'ai plus internet, je suis puni. Donc, euh, hop, on va se remettre là. Donc, merci à tous de m'avoir suivi. On a été ensemble pendant euh, un petit peu plus d'une heure quand même, hein. c'était pas mal, une heure et quart, visiblement. Et euh, on a pu vous faire le tour eh bien, de toute la partie illustration numérique, la manière dont on allait pouvoir gérer ça, les pinceaux, les épaisseurs, les couleurs, tout un tas de trucs qui me servent au quotidien, qui vous servent au quotidien. On a démarré, hein, pour ceux qui ont débarqué en retard, sur la partie Beyoncé, les portfolios, les outils, etc., pour recaler un petit peu des, des sujets qui allaient être. Important à mon goût. Euh, la semaine prochaine, on va parler de Motion Divine, on va parler de d'Illustrator vers After Effects. Et dans la foulée, je recevrai Adrien Jouly, qui est un mec qui fait des trucs assez assez excellents. Pour suivre tout ça, vous avez un bouton Inscrivez-vous, je ne sais plus où, quelque part sur la page YouTube. Vous allez chercher, abonnez-vous pour bien euh, être au courant. Vous verrez, hein, si vous avez l'appli YouTube sur votre téléphone, elle vous dit Ah tiens, c'est le moment de venir regarder Franck pendant une heure. Moi j'aime bien, je trouve ça assez cool. Euh. Et je le fais pour les autres. Et dans deux semaines, dans deux semaines, on va parler donc de dessin en pixel art. On va recevoir Olivier Huard pour la session de 12 à 13. Euh, et le matin, on fera de la retouche photo comme on fait souvent et très régulièrement. Donc euh, voilà, de 12 à 13, Olivier Huard de 10 à 11, il y aura de la retouche photo. Là, ça, c'est la semaine du 7 mars et la semaine du 28 février, on aura un peu d'Illustrator, d'After Effects, du Creative Cloud, etc. etc. Donc abonnez-vous, regardez bien le le, les contenus qui sont euh, à votre disposition. N'hésitez pas à regarder les replays pour ceux qui ont pris le contenu un petit peu tard. Et euh, je pense qu'on est pas mal. Je crois que j'ai tout dit. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.